ses photos vidéo graphisme. Oh, a happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was. When Jesus was. When Jesus was. When Jesus was. He walked my sins away. Confie
Joyeux du bonheur qu'il trouve, l'aimer dans sa totalité,
pour ce qu'il est, laideur et beauté, défaut et qualité. Voilà les conditions de l'amour, car l'amour est une vertu d'indulgence, de pardon et de respect de l'autre. Merci. Donc maintenant, je vais vous demander de vous lever. Et je vais demander d'abord à M. Soko Kimbela et Mme Bousoula s'il a été fait un contrat de mariage. D'accord. Donc je vais procéder à la lecture des articles du Code civil. Non, ensuite, ouais. Merci. Alors, article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Article 371.1. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité, l'émancipation de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. C'est parti. Vous êtes prête, madame? Oui. Madame Balingo Noémie Aurélie Botsunga, consentez-vous à prendre pour mari et légitime époux M. Fabrice Moussongo Kimbiola? Vous l'avez entendu derrière? Non. Alors, ce que je vais faire, je vais recommencer. Comme ça, elle fera un vrai oui, que tout le monde puisse entendre et que tout le monde puisse l'applaudir ensuite. Je recommence. Alors, Madame Balingo Noémie Aurélie Bosunga, consentez-vous à prendre pour mari et légitime époux M. Fabrice Moussongo Kimbiola? Oui, je veux. On va essayer, hein. On va essayer. Je donnerai une note à la fin. Donc, Monsieur Fabrice Moussongo Kimbiola, consentez-vous à prendre pour femme et légitime épouse Madame Balingo Noémie Aurélie Bosunga? Oui. Vous l'avez entendu? Non. Je m'attendais à mieux que ça, hein, franchement. Je recommence parce que je m'attendais vraiment à un vrai oui. Donc, je recommence. C'est pas grave, je relis, mais je recommence. Allez. Monsieur Fabrice Moussongo Kimbiola, consentez-vous à prendre pour femme et légitime épouse Madame Balingo Noémie Aurélie Bosunga? Oui. Merci. Madame, attendez, je suis sûre. Donc, au nom de la loi, nous déclarons que Madame Balingo Noémie Aurélie Bosunga et Monsieur Fabrice Moussongo Kimbiola sont unis par le mariage. Félicitations. Qui va vous lire l'acte de mariage. Merci. Le 5 novembre 2016, à 15h à Bondy, Seine-Saint-Denis, devant nous, on comparait publiquement à la maison commune Fabrice Moussongo Kimbiola, conditionnaire en laboratoire cosmétique, né à Kinshasa, République démocratique du Congo, le 18 septembre 1990, domicilié à Bondy, Seine-Saint-Denis. Fils de Bernard Kimpakou et de Marie Moussongo, commerçant domicilié à Kinshasa, République démocratique du Congo, d'une part, et Balingo Noémie Aurélie Bosunga, agent administratif, né à Argenteuil, Val d'Oise, le 6 juin 1993, domicilié à Sevran, Seine-Saint-Denis, fille de Bongol Bosunga, magasinier, et de Badi Banga Chibola, auxiliaire péricultrice, domicilié à Sevran, Seine-Saint-Denis, d'autre part. Dans notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'il n'a pas été fait contrat de mariage. Ils ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux et nous avons prononcé en nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage. En présence de Moumou Kendi Benson Luto Carizo, préparateur de commandes, domicile à Montreuil-Saint-Saint-Denis, de Carlette Ninsenga, épouse Luto Carizo,
domiciliée comme ci-dessus, témoin majeur. Elle est aide-soignante. Lecture faite et invitée à lire l'acte des époux et des témoins, signé avec nous, Aïssa Tarpsef, adjoint maire de Bondy, officier de l'état civil. Je demande à la maire de venir signer les actes, s'il vous plaît. Il y a des photographes. Il y a des photographes, vous pouvez passer derrière ces photos. Ah, d'accord. Il n'y a pas de souci. Au nom de la municipalité, je vous remets déjà à notre premier niveau de famille. Au cas de la place, vous voyez, pour 11 enfants. et puis, donc ça, c'est un chou catalogue avec des mariages de différents pays, au Maroc, en Algérie, en Afrique. Voilà, donc c'est de la part de la municipalité. Et je vous dis donc félicitations à vous. Plein de belles choses, beaux et heureux mariages, donc heureux, et surtout beaucoup de patience. C'est bien vu. À bientôt, au revoir tout le monde. Yeah.